Nous sommes très fiers aujourd'hui parce que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est peut-être jamais arrivé à l'heure joyeuse ou arrivé différemment parce que nous avions eu le ministre de l'Emploi lors de l'ouverture de Mkensa. Mais il faut savoir que nous avons pu montrer ce partenariat public-privé exceptionnel avec la préfecture de Nouasseur et le partenariat avec des partenaires privés, internationaux ou nationaux qui sont des partenaires d'excellence. Aujourd'hui, l'IECD a la joie d'inaugurer le centre de formation par apprentissage Bouskoura en partenariat avec l'association L'Heure Joyeuse. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, que nous travaillons depuis 2017. Nous souhaitons répliquer l'expérience réussie du centre de formation par apprentissage de Mkansa, qui a déjà formé plus de 180 lauréats et qui a un taux d'insertion de 80%. Nous travaillons dans les filières de l'électricité du bâtiment aujourd'hui, mais nous avons de belles perspectives et notamment la multiplication des filières dans les métiers de l'électricité et de l'électromécanique. Donc aujourd'hui, dans ce centre Bouskoura, il va y avoir, puisque c'est un programme innovant, il y a des forces dans ce type de programme. Il y a le choix de où nous nous implantons, dans des endroits, vous l'avez vu, isolés, et nous aidons des populations les plus vulnérables à se réinsérer, puisqu'il y a une exclusion sociale dès lors qu'il y a un arrêt d'éducation de terminer ses études. Donc ces jeunes viennent d'abord à la cellule d'orientation et d'insertion professionnelle. Là, ils sont mobilisés pour y venir, accueillis, écoutés, orientés, formés, mis en employabilité ou en entrepreneuriat demain. Vraiment, c'est cette espérance et cet espoir de voir des jeunes être préparés pour le futur, être outillés pour affronter la vie professionnelle. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accompagner l'IECD et L'Heure Joyeuse dans ce beau programme d'insertion des jeunes sur le marché du travail, leur intégration sociale. Donc nous sommes toujours prêts à accompagner les deux centres, que ce soit Mkensa et Bouskoura, à fournir le matériel et à aider ces jeunes à monter en compétences sur la partie électrique. وعملنا على طبعا انجاز هذا المشروع اللي هو كنفتخروا به واللي اعطينا انطلاقه ديالو لهذا اليوم هذا وبالتالي ان المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هذه المشاريع مثل هذه المشاريع كتدخل في اطار المرحله الثالثه ديالها حيث ان البرنامج الثالث هو ادماج الشباب وتحسين وضعيتهم الاجتماعيه والاقتصاديه تجربه ما بين جمعيه ساعه الفرح والمعهد الاوروبي للتنميه والتعاون بدات في 2014 اللي لونسينا فيها المركز التكوين بالتدرج لمكانسا هذا المركز اول بروموسيون فيه بدات في يناير 2015 والحدود دوجنبير 2018 كان عندنا 180 خريج عندنا 80% ديال النسبه ديال الادماج في السوق المهني وهاد النتائج اللي كانوا ايجابيه هما اللي فرحونا وشجعونا على اننا ندوبليكيو هذه التجربه ونجيو لبوسكوره.